Salut à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau jeu Hunter x Hunter, et cette fois-ci c'est pas une blague, c'est vraiment un jeu incroyable qui est sorti qu'au Japon. Malheureusement il est extrêmement récent, vous pouvez évidemment le tester en passant par QQ, je l'expliquerai dans la vidéo, vous inquiétez pas. Alors c'est un action RPG les amis, vous allez créer un personnage dès votre entrée sur le jeu. Il va y avoir 6 classes, 3 femmes, 3 hommes, choisissez, vous n'avez pas la possibilité de modéliser un peu le personnage, mais peut-être que ça viendra par la suite dans des packs costumes, etc. Vous allez suivre évidemment l'histoire. Dans cette histoire, tout est très beau. Les décors sont en 3D. C'est un peu la vision de Elsword, tu vois, quand tu te déplaces. C'est un action RPG, faut pas l'oublier. Mais il y a bien ce système d'équipe. Hein. On n'est pas tout seul. Et vous avez la possibilité d'avoir énormément de personnages. Soit une équipe de 3, voire 4 peut-être, de souvenirs. Donc là, je viens de débloquer Gon. On va pouvoir avoir Meruem par la suite. Hiromi, Pito, etc. Tous les nouveaux personnages. Ils sont incroyables, hein, les amis. Le fameux Guido que personne ne va jouer, j'en suis sûr. Et puis voilà, donc ils ont été assez malins pour créer plusieurs fois le même personnage, faire des variantes, évidemment. Donc c'est un jeu qui est, je crois, hein, somme toute licencié. On va avancer dans l'histoire, etc. Je vais vous montrer un petit peu de gameplay. Je vais juste d'abord cliquer sur tous les boutons rouges, comme d'habitude. Donc ça, c'est la carte mensuelle. Ça aussi, c'est un truc de paiement. Ça, normalement, je peux récupérer. Non. Ah, faut payer. Non, il ne veut pas payer. Il n'est pas d'argent. Hop. Nine. Ok, de toute façon on n'a pas la monnaie pour. Alors le système économique, je ne le connais pas les amis. Tac tac tac, et ici tu peux récupérer certaines choses, mais je pourrais pas vous dire quoi, mais je crois que c'est vraiment un système de paiement. Donc voilà, il y a le petit Gon qui me suit, et vous allez avoir jusqu'à 2 ou 3 personnages avec vous en plus. Il y a un système de quête, etc. On va cliquer sur la main quête et on va avancer les amis. Hop, je vais essayer de lancer un stage, super. Donc il y a un système d'équipement évidemment à mettre sur vos hunters et vous-même. Et vous pouvez faire du mode coop. Donc là vous pouvez le voir, il y a juste moi, mais il y a bien un mode coop. On peut jouer à plusieurs avec tous nos personnages, hein, tous nos alliés en même temps. C'est incroyable les amis, franchement ce mode de jeu est juste génial. Ouais. Donc on peut activer les combos de Gon, ça fait beaucoup de spells, hein, vous pouvez le voir. Hop, c'est un action RPG, hein, on est un peu à la mémoire des frags. Hop, on trace, on passe derrière, boum boum boum, je mets le combo. Je me booste. Sur BlueStack c'est extrêmement fluide, hein, et sur téléphone ça doit l'être encore plus. Mais sur BlueStack, comment on peut vraiment tout bind. Et ça fait plaisir. Hop, on envoie la sauce. Les ennemis sortent de partout et tout, c'est vachement fluide, hein, les amis, vraiment. Quel régal! J'ai l'impression de jouer un Warrior, tu sais, sur Xbox à l'époque. Hop, esquive. On va se mettre au milieu, boum. On dash. Ok, c'est bon. Oui. Donc moi à la base je suis vraiment pas fan des action RPG, mais là déjà le fait qu'on soit dans l'univers d'Hunter x Hunter, c'est vraiment un plaisir. Et avoir tous nos personnages préférés, le jeu est extrêmement beau, ça respecte les dimensions, ça respecte les tailles. Là on est dans l'examen des Hunters, du coup le décor paye pas de mine, mais vous allez voir qu'on sera à Meteor City. Au début du jeu, on est sur l'île de la baleine et tout est modélisé. Il y a un système de déplacement qui est vraiment ouf. C'est pas que unilatéral, tu vois, il y a vraiment... c'est vraiment perpendiculaire et tu peux vraiment te déplacer, c'est vraiment un plaisir, les amis. C'est vraiment un plaisir, le lien sera dans la description si vous voulez tester le jeu, évidemment. Je sais pas s'il faut que je clique ici, on va quand même le faire. Ok. Bon, ça va me renvoyer sur QQ, ça, donc on s'en fiche. Hop. On suit la quête principale pour le moment. Hop! Quel plaisir d'entendre le doublage des voix. Et puis Hisoka sera un partenaire obtenable. Pareil pour Meruem. On les a vus là dans le menu. C'est un régal, les amis. Franchement, ce jeu, c'est un régal. Et. Purée, mais vite sur Europe, quoi. Juste vite.
Oh, y'a Hisoka avec nous, d'accord, c'est un personnage PNJ. Donc il va sur... Ah non, mais c'est le boss, qu'est-ce que je raconte, personnage PNJ. Je voyais pas sa barre de vie. Et c'est vrai que ça paraît logique hein, dans l'histoire. Eh, laisse mon gun. Lâche-le. C'est ultra immersif et tout, t'es vraiment dans l'histoire quoi. Le jeu considère que t'es un personnage de l'histoire. On n'est plus un groupe de 4 avec Leorio, Kurapika, Killua et Gon, on est 5 hein, vraiment. Donc quand ce sera traduit en français, ça va être vraiment un plaisir de profiter de l'histoire, quoi. Donc tu peux up tes skills, etc. Pour le moment, je touche à rien. Pour le moment, je veux rien augmenter. Ah bon, le jeu m'oblige. Et on débloque la capacité ultime. Très bien. Le système de cadeaux, d'accord, de réception, je sais pas si je peux cliquer sur tout ça, c'est Ok, d'accord, bon, c'est récupéré. Un petit pantalon. Des petites chaussures. Et on va s'équiper. Level 10. Donc tu suis la flèche, hein, tu vois, il y a une flèche qui monte vers le haut, ça veut dire que le stuff est meilleur. Tout simplement. Ok, il a l'air mieux. Petite amulette. Hop. Le petit pantalon niveau 10. Les petites pompes niveau 10. Et on commence à être assez balèze. Et puis j'ai envie de re-regarder encore une fois les personnages soutien. Oh là là, mais la petite Pito quoi, mais quel plaisir. Le MRU aussi qui est bien balèze, hein. Vraiment vraiment balèze. Il a du flow aussi, Renmi, on va pas se mentir. Il a du flow, il est où Hisoka? Il est là Hisoka. Donc Meru, c'est vraiment, c'est un légendaire quoi, ça se voit tout de suite. Il y a aussi notre fameux, notre ami Netero. Voilà, ça c'est un vrai Netero. Ça c'est pas le Netero de collection des Hunters. Ça c'est un Netero. C'est un vrai Netero quoi. Badass, musclé, grand, tu vois, il est grand de taille un Netero, il est pas petit hein. Tu vois, comparé à Gon, bon il est plus petit que Irumi version sport là, mais mais voilà, ça c'est un vrai Netero pour moi. On a évidemment le Kaito, hein, le Kaito qui est... Il a du flow, hein, Kaito, avec sa petite cape. Oh, par contre, la tête, regardez la tête de... du Daron Zoldyck, là, sur le carré, ici. Immonde. Par contre, il est bien fait dans le jeu. Après, je sais pas pourquoi ils nous ont mis Sadasso, Riluberto, Guido... je sais pas pourquoi ils nous les ont mis, Lui, il a du flow, aussi, il doit avoir des doubles attaques et tout avec son doppelganger. Skorapika, il a un truc bizarre, non? Je sais pas, morphologiquement parlant, il a l'air bizarre, ce Kurapika, avec ses yeux et tout. C'est le Kurapika Emperor Time, en plus, c'est ça le pire. Il devrait avoir les yeux rouges. Hein. Je suis pas d'accord avec ça, moi. Le petit Killu, trop de flow. Ils ont même respecté, tu sais, leur façon de se poster, etc. Canary, oh Canary. C'est pas Canary, ça? Elle est jolie, hein. Elle est jolie, mais... Il y a un truc qui est pas respecté, je trouve. Dans ses yeux, dans son regard, en fait. Elle a un très beau visage, mais justement, c'est pas le visage... Normalement, elle a les yeux un peu plus écartés, tu vois, comme sur la photo, ici. Là, ils sont trop rapprochés, du coup, ça donne... Bah, ça la rend plus belle, en fait. Mais je préférais cette Canary, cette version de Canary... comme le psychopathe dans Les Simpsons, tu sais. Je sais plus comment il s'appelle. Ils nous ont mis Zucchi. Mais même Zucchi, vu comme ça, il est bizarre. Vu de côté, comme ça, ça. Là, c'est totalement Zucchi.
Là, franchement, c'est totalement Zucci vu de profil, mais vu de face, il est pas beau Zucci en fait. Il est mystique un peu, non? Oh là là, le Tompa, il y a des gens qui vont être heureux de le jouer, mais oh, il est horrible. On dirait un goron attardé dans Zelda, quoi. Oh là là. Et la petite Kaluto, faudrait voir comment ils l'ont traduit en France, en fille ou en garçon, là, sur le jeu officiel, mais elle a un petit flow. Et enfin, ils ont respecté mon Uvogin. Ça, c'est respecter Uvogin. Bon, il paraît quand même un peu plus... il a fait de la sèche, quoi, ça se voit, parce que normalement, il est un peu plus, tu sais, un peu plus crapu, quoi. Mais il a un flow. Voilà, ça, c'est un vrai Uvogin. Oh là là, mais quel plaisir, les amis. Oh, on peut déplacer la caméra, je savais pas. Lui, il a déjà débloqué Kilu, quoi. Bon, on va se faire encore 5 minutes, allez, on se fait une dernière quête avant de se laisser. Une dernière quête, les amis. Et puis, on essaiera de faire des guides, pourquoi pas, si le jeu vous intéresse, mais moi je vais le poncer. Hein. Je vais tellement tout donner, quoi. Quoi ? Je sais pas ce qu'il veut, ce que... Quoi ? D'accord, je peux les désassembler. Ce qui me donne des cristaux, et je peux améliorer mon arme principale avec... Avec ces fameux cristaux, d'accord, c'est logique. On va éviter de tout dépenser, justement, on va garder un maximum de cristaux pour les stuffs qui viendront dans le futur. Hop, on change d'équipement. Je sais pas du tout à quoi servent ces box, mais on va les récolter pour le moment. Peut-être pour un nouveau personnage, hein, c'est possible, les amis. Hein. C'est tout à fait possible. Bon, ici, c'est pour augmenter mes skills, mais je vais d'abord tout garder. Rien dépenser. Tout traduire, être sûr de ce que je fais. D'accord, faut faire le 1-4. Je me demande, il sert à quoi ce bouton? Bon, j'ai cliqué dessus. Est-ce que c'est un combat automatique? Est-ce qu'il y a un mode auto? Ça pourrait peut-être plaire à des gens de savoir s'il y a un mode auto sur le jeu. C'est vrai que ça peut être agréable, mais je vous jure que le jeu est vraiment fluide dans les mains et tout, c'est vraiment un plaisir. Mais il n'y a pas l'air d'avoir de mode auto par contre, hein, les amis. D'accord, donc c'est un bouclier ça. Boost vitesse. Oh là, c'est si fluide, mais quel plaisir, quoi. On ramasse tout le bordel. Vas-y, viens, Gon. On va faire des trucs. Je me booste. Je jump. Ah non, pas dans ce sens-là. On se protège avec mon shield. On recule. Oh, la pute. Oh là, ce magnifique combo. Allez, ça dégage. Oh là là, quel plaisir. Ultra fluide le jeu. Encore une fois, tu peux choisir entre 6 classes, les amis. Hein. C'est 6 classes différentes. Hein. D'accord, donc ça sert à aller chercher un deuxième coffre, peut-être, avec les pilules, les petites flammes oranges.
On va les conserver hein, pour les étages les plus hauts. D'accord, donc c'est pour gagner des points QQ. Encore une fois, c'est grâce à QQ que vous allez devoir vous connecter. Je vous expliquerai vite fait en fin de vidéo comment faire. On va faire un petit tirage. Je sais pas trop à quoi servent les items. Nickel. Bon, on va s'arrêter là, les amis. Alors, pour pouvoir tester le jeu, c'est très simple. On va aller tout de suite ici. Vous avez QQ, hein, l'application. Vous lancez, vous téléchargez QQ, puis vous lancez le jeu. En lançant le jeu, il va vous demander de vous connecter à QQ. Et dans QQ, en fait, vous allez devoir mettre un numéro de téléphone mobile français. Donc, vous choisissez évidemment le plus 33. Vous mettez votre numéro mobile. Vous allez recevoir juste un SMS de validation. Donc, soit vous mettez votre vrai numéro de téléphone, soit vous mettez un numéro de téléphone français que vous trouverez sur Internet. C'est des numéros Internet, justement, pour recevoir des SMS. Ça n'a aucun problème de sécurité, c'est vraiment juste pour recevoir un code d'activation. Ce qui va vous permettre d'activer votre compte et après vous vous connectez avec votre compte QQ tout simplement. Jeu incroyable les amis, je vais le poncer et je vous ferai d'autres vidéos là-dessus. Hein. J'espère que le jeu vous plaît parce que moi c'est incroyable les amis. C'est assez ouf et puis on attendra peut-être une traduction anglaise hein, pour être peut-être un peu plus à l'aise avec les menus etc. Une chose est sûre c'est que je vais doser le jeu. Voilà, c'était Lacunabi, on se retrouve bientôt. Sayonara, des bisous et à la prochaine. Ciao, ciao.